Recherche d'emploi, recrutement, évolution dans nos carrières, que change cette multiplication des usages de l'intelligence artificielle? On en parle tout de suite avec mes deux invités. Julia Santi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente cofondatrice de Skillit, éditeur qui a développé une solution technologique pour analyser en fait le langage. Et à travers les mots, vous nous dites, on va pouvoir s'appuyer sur les mots pour prendre des décisions, notamment dans le domaine des RH et des processus de recrutement. Avec vous sur ce talk, Selma de Fresnel, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée au sein du cabinet de recrutement Lincoln et vous avez une grande pratique dans ce sujet du recrutement de talents évoluant, en particulier dans l'univers des médias, des technologies, du numérique. 25 ans d'expérience. Et ben voilà, donc vous allez pouvoir répondre à toutes les questions de nos téléspectateurs, parce qu'on en a eu. Je voulais commencer par vous raconter une anecdote. En fait, c'est un ami qui est en pleine recherche d'emploi en ce moment. Il est ingénieur acousticien. Et la dernière fois, en fait, une entreprise lui a demandé très précisément de faire son premier passage en tant que candidat de manière physique et non pas au travers de la visio. Pourquoi ? Parce que l'entreprise lui a dit on a eu en fait de mauvaises expériences avec des candidats qui utilisaient à notre insu ChatGPT pour répondre à des questions très techniques. C'était un profil technique, celui de mon ami. Et donc maintenant, ces entreprises se méfient de l'utilisation de ChatGPT par les candidats. Donc on voit que déjà, c'est une irruption qui change énormément la donne. Et alors là, du coup, c'est l'exemple inverse peut-être de ce que vous allez me dire. Mais on s'aperçoit que le retour au présentiel, que le retour à la communication humaine, finalement, est encore plus important. Est-ce que c'est votre analyse également ? Dans ma pratique du recrutement telle que nous le pratiquons chez Lincoln, oui, tout à fait. Pour nous, de toute façon, il ne faut pas opposer la technologie et l'humain. La technologie est un service de l'humain pour mieux accompagner les talents. Et depuis le début, nous recommandons à l'ensemble de nos consultants de recevoir les 4-5 finalistes avant de les présenter aux clients. Pour les raisons de ChatGPT ou de l'intelligence artificielle, en effet, pour les questions techniques, mais également pour beaucoup d'autres raisons qui sont que il y a quand même beaucoup de choses qui se passent juste en voyant les gens et toute la communication non verbale est quelque chose de très très important dans l'analyse aussi d'un profil. Oui, le sémantique est important. Oui. Et dans la visio, on la voit la communication non verbale en visio. Non. On voit un buste, oui. On ne voit pas la personne, comment elle se comporte, on voit assez peu la taille. Et la visio, si elle avantage beaucoup les introvertis, elle bride la puissance de tous les extravertis. Donc il nous manque quand même quelque chose pour analyser. Et il faut savoir que nous, dans notre métier, on croit que le recrutement est une science exacte. Le recrutement, c'est juste prendre beaucoup, 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 beaucoup de pistes pour s'assurer qu'on a le bon. On va décider que quelqu'un est parfait pour le poste au bout de 4-5 heures d'échange. Et donc, on va essayer d'avoir toute la panoplie de réassurances possibles pour s'assurer qu'on a trouvé le bon match pour notre client. Alors, on va commencer à répondre aux questions des téléspectateurs. Olivier Briançon qui nous dit « En quoi l'usage des chatbots et des assistants virtuels modifie-t-il l'interaction initiale avec les candidats ?» Une réponse, Julia. Alors c'est vrai que ce chatbot, tout le monde en parle, hein, il y a eu la déferlante ChatGPT, donc des gens se sont engouffrés. En revanche, je pense qu'en termes de recrutement, et je rejoins Madame de Fresnel, le présentiel, ou en tout cas l'analyse d'un vrai verbatim, parce que qu'est-ce qui se passe, nous, avec l'analyse des lettres de motivation, aujourd'hui, on communique d'une IA à une autre. Et du coup, on n'a pas en face de nous, et on le voit très bien d'ailleurs dans nos mappings de comportement, puisque nous, on va, à partir des mots, pouvoir remonter les comportements à prévoir dans un environnement donné. Donc il y a une vraie richesse. En fait, l'avantage des IA hybrides aujourd'hui, et là je sors du génératif, et je ne m'inscris pas contre, mais en tout cas je dis, il y a des IA hybrides aujourd'hui qui permettent réellement d'analyser et d'avoir accès aux meilleures des sciences du comportement depuis son poste de DRH pour pouvoir avoir les bons KPI pour prendre des décisions et finalement... apporter à ces fameux 4 heures d'entretien, peut-être un temps plus court, mais en tout cas, vraiment des... Donc ça veut dire que, pour répondre à la question d'Olivier, ce que ça modifie déjà comme type d'interaction, c'est que tout ce qu'on va dire à son recruteur va être analysé par une IA. Absolument, c'est le cas. Avant, c'était fait par le recruteur. Voilà. Aujourd'hui, le recruteur va être aidé par une IA. Et l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire ? A priori, elle va corriger les biais.
Ce qui n'est pas vrai, parce qu'une IA, et vous le savez, je pense que ça peut être une autre question. Alors ça, c'est une autre question, c'est voilà. Une autre question qu'il pose. Est-ce que ça contribue justement, est-ce que l'IA contribue à réduire les biais humains dans le processus de recrutement ? Sur une IA générative telle qu'elle est aujourd'hui, il y aura plutôt un renforcement des discriminations. Par exemple, il date déjà, mais le programme de recrutement des ingénieurs informatiques d'Amazon de 2015, ils se sont basés sur un corpus. Et c'est vrai que le dataset d'entraînement va être vraiment décisif. Oui. Là, ils sont partis sur les candidatures d'il y a 10 ans, enregistrées pendant 10 ans. C'était des hommes. Donc très vite, le robot a éliminé les candidatures féminines. Alors ils ont arrêté ce programme très vite, en voyant le fiasco. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une IA générative ne va pas comprendre le sens. Donc elle va mettre ses règles et ses modèles sur une inférence. Donc elle va moyenner et elle va renforcer les biais existants. Donc c'est pas une protection. Pourtant, vous nous avez dit, Selma, que ça peut aider à corriger des biais au début, en introduction. En tout cas, c'est comme ça qu'on va essayer de l'utiliser. C'est-à-dire ? Et c'est pour ça qu'il faut... Alors, on va utiliser une intelligence artificielle pour nous accompagner dans le processus de recrutement et nous faire gagner du temps sur certaines parties qui sont un peu répétitives, un peu rébarbatives, comme l'analyse sémantique. L'IA va nous proposer quelque chose, mais on va quand même mettre de l'intelligence humaine avec tout le recul qu'on peut avoir, avec la formation de la compétence égale dont nous sommes membres fondateurs. Tout le petit plus de l'humain que l'IA n'a pas encore. Oui. Et j'invite votre ami à s'intéresser à comment est construite une IA et qu'est-ce que c'est qu'une IA générative. C'est pas mon ami, hein, sans été spectateur, pose des questions là. Je suis passée à une autre histoire. D'accord. C'est celle des gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui posent des questions. Alors on va enchaîner sur l'autre question puisqu'on en a déjà éclusé deux. Quels sont les avantages et les défis associés à l'utilisation de l'IA pour prédire les performances futures des employés potentiels? Moi, je peux vous donner l'exemple de la Cité des métiers de Marseille et de PACA, puisque nous sommes une start-up basée à Marseille. L'idée, c'était de se dire, ces bénéficiaires qui sont parfois en décrochage scolaire vont arriver à la Cité des métiers et on va devoir leur proposer des formations et des métiers. L'IA, cette fois sémantique, hein, puisque là, on va recueillir avec les accompagnateurs de l'emploi des verbatims et des réponses à des questionnaires vont permettre de proposer des métiers auxquels ils n'auraient absolument pas pensé, puisqu'on va dire, toi, vis-à-vis du langage que tu emploies, voilà les contextes de performance dans lesquels tu peux aller. Tu es quelqu'un de très créatif, tu es quelqu'un de très organisé. Est-ce que tu as pensé à la microélectronique? Est-ce que tu as pensé à la créativité? Donc en fait, ça permet de faire ressortir ce qu'on appelle les soft skills, quoi, des compétences personnelles. Vers des profils différents, vers des compétences moins visibles. Plus comportemental. Nous, on a des outils d'assessment, et ça fait longtemps qu'on les a développés avec des psychologues et autres, qui nous permettent de bien valider le match et la vision des différents recruteurs au sein d'une même structure, qui nous permettent d'analyser le profil professionnel des candidats que nous présentons et leur adéquation par rapport aux attentes de nos clients. Et cet outil permet de générer un rapport automatique. Mais si tous les... Oui, mais là, la question, c'est comment ça permet de prédire la performance future du candidat. C'est ça la question qu'on vous pose. Hein. Ah, mais c'est vraiment le contexte de performance, ça, c'est quelque chose chez Skillit qui est essentiel. Le fait de pouvoir justement hybrider une IA et partir d'un référentiel RH qui a été consolidé par des humains. C'est ça la différence. Qui a été labellisé par des linguistes. Les règles et les modèles, c'est nous qui les donnons à l'IA, et ensuite on travaille sur du machine learning et du deep learning. Donc très vite, on arrive à dire ce candidat, je pense à Matchid aussi, pour qui on a un cabinet de chasse de tête, pour qui on a développé une plateforme complète. Ils sont beaucoup sur les compétences commerciales. Très vite, ils arrivent à voir si la personne va coller aux valeurs de l'entreprise, au projet de l'entreprise, si elle va être en confort ou en survie par rapport à ce qui est proposé, puisqu'on va pouvoir matcher fiches de poste, valeurs de l'entreprise, candidats entre eux. Ça, c'est l'avantage de l'IA, hein, c'est qu'on a accès. En fait, on peut faire plein de croisements. Évidemment, c'est de la stat et c'est des grands nombres. Ouais. On va croiser beaucoup de grands nombres. Mais vous dire, ce jeune qu'on a recruté à un instant T, il peut finir DG de votre structure, c'est très compliqué sur les débutants, et on le sait déjà, parce que tous les jeunes changent d'emploi dans les 18 à 24 mois de leur premier emploi. Ils ne savent pas où ils vont, ils savent que ça les intéresse à peu près, puis ensuite ils changent. Et nous-mêmes, on essaye de flaguer des hypos, ce qu'on appelle des high potential, des gens qui ont des évolutions assez rapides. Et c'est pareil, c'est en définissant un modèle de scoring, les gens de cette même catégorie ont tendance à avoir ce même type d'évolution.
Je suis un peu gênée avec ça parce qu'il y a une logique de déterminisme, oui. Il y a une logique de mais les gens ne peuvent pas s'améliorer alors qu'on a alors tous une grande chance. Bah oui. Et si on regarde Jack Ma, il n'a réussi qu'à partir de 40 ans au sens où on l'entend aujourd'hui. Oui. Alibaba, absolument. Et si et on peut aussi décider de se tromper plusieurs fois avant d'y arriver. Moi, j'ai un peu peur de prédire les performances, d'aller chercher les stars. Or, on le sait aujourd'hui, une star ne fait pas une équipe. Et c'est d'abord les équipes qui gagnent. Et ça, chez Lincoln, on en a une conviction profonde. L'intelligence collective est beaucoup plus puissante qu'une diva toute seule. Alors, autre question. De quelle manière l'IA utilise-t-elle l'analyse du langage, donc c'est pour vous, Julia, cette question, pour évaluer les compétences à partir des CV? Alors, sur le CV, vous avez des... Ça ne doit pas être très compliqué, du coup. Vous avez des données sémantiques basiques. Ouais. Ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir... ce qu'on appelle le speech to text, c'est-à-dire la capacité à recueillir pendant un entretien tout ce qui a été dit et de l'analyser. Ça, ce sont les produits Skillit de demain. Il y a beaucoup d'attentes, notamment dans le secteur de l'intérim vis-à-vis de ces outils-là. Mais sur un CV écrit, ça va être quoi? Un matching juste sur les termes qui sont employés, les formations? Oui. Ça fait déjà un LinkedIn. Alors ça, donc ça veut dire que l'IA apporte pas grand-chose de plus. L'IA générative, en tout cas, n'apporte pas grand-chose de plus que ce qu'il fait jusqu'ici. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est données réellement non structurées. Et c'est vraiment, chez nous, le Graal. Ouais. De travailler sur la complexité du langage, sur son ambiguïté. Et ça, autant vous dire que beaucoup d'outils aujourd'hui qui se disent sémantiques ne travaillent pas finalement sur le sens. Alors la question, on y a un petit peu répondu déjà. L'autre question, c'est est-ce que l'IA utilise des algorithmes prédictifs, justement, pour évaluer les compétences? Oui. Prédictifs, Entre autres. En fait, l'IA générative, c'est beaucoup d'algorithmes et certains sont des algorithmes d'analyse prédictive. Mais ce qu'il y a derrière, et donc pour prédire, qu'est-ce qu'on met dans l'algorithme prédictif? Est-ce que... demander aux data scientists. Pardon? Ça, il faut demander aux data scientists. Il y a des hypothèses de base. Ouais. Et le sujet d'un algorithme prédictif, c'est qu'on va le combiner avec un autre qui va lui dire, eh ben, si tu vois ça souvent, ben, tu vas réagir comme ça. Et petit à petit, lui, il va commencer à générer ses propres réactions. Mais ça veut dire qu'on va rentrer, par exemple, dans ces algorithmes, des parcours de candidats qui ont déjà eu une carrière intéressante dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on met, en fait? Comment on le nourrit, cet algorithme? Nous, c'est vrai qu'on se base sur un référentiel de 47 000 mots et expressions. C'est le démarrage de Skillit, ça, hein, Skill IT, vous entendez ça, dans le nom de notre boîte. Ouais. Donc nous, on accompagne depuis des années... Et vous allez chercher où ces 47 000 Nous sommes partis d'un métamodèle. C'est des outils qu'utilise Madame de Fressenel. On a travaillé avec des psychologues cliniciens, avec des neuros, avec des linguistes, des spécialistes des sciences du comportement. Et avec ce modèle, aujourd'hui, on travaille avec d'autres laboratoires, dont un qui est à Avignon, qui est spécialisé en sémantique computationnelle. Et ça peut marcher dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel domaine. On est inter-industrie, sur la partie soft skills. Et du coup, on a vraiment un modèle qui permet de brasser le langage et de ressortir vraiment des KPI par rapport au comportement. Alors, autre question, comment l'IA automatise le tri des CV et la présélection des candidats? Est-ce que ça se fait justement sur la lecture des formations, du nom des entreprises? Sur les champs sémantiques, d'où il vient, combien d'années il a passé. Nous, on n'est pas... Le design compte ou pas dans le CV? Pas pour l'IA. Pas pour l'IA? Non, pas pour l'IA. Il n'y a plus besoin d'avoir une originalité sur la couleur du CV. Nous pratiquons la chasse. Donc, on n'a pas des recrutements en volume. On va recevoir beaucoup de CV à analyser. On analyse des parcours et surtout, on croit beaucoup à l'échange. Un parcours tout seul n'explique pas tout et ne donne pas toutes les clés d'analyse d'un profil. Et heureusement. Après, au-delà de ça, on match ça nous-mêmes avec les attentes de notre client. Aujourd'hui, on a soutenu cette approche et on a analysé tous nos parcours pour soutenir tous nos consultants avec des outils qui vont leur permettre d'automatiser un certain nombre de tâches. Pour nous, l'intelligence artificielle, qu'elle soit LLM ou analytique, c'est important comme un copilote. Le mot qu'a trouvé Microsoft est juste parfait. Un assistant pour nous aider à prendre des décisions plus vite et avancer plus vite sur les... côté les plus rébarbatifs de notre quotidien. Ouais. Donc, trouver la longue liste et faire les réponses négatives,
Je pense que à l'avenir, une fois qu'on aura déployé ça, personne ne se plaindra que le chasseur ne l'a jamais rappelé. Non, c'est sûr que la fonction RH, tout le monde a peur en disant on va éliminer des emplois, etc. Oui. Non. Moi, je pense au contraire que l'IA va permettre aux responsables RH d'être dans leur vraie valeur ajoutée. C'est plutôt la question de vers quel modèle d'entreprise on a envie d'aller, vers quel modèle d'IA on a envie d'aller. Ça, ce sont les questions essentielles qu'il faut se poser en amont. Oui, pour choisir ses outils. Je pense, oui, que l'IA généralisée, que ce soit dans les équipes RH, les équipes finance, ça va nous permettre de nous concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'intelligence humaine et la formation, la curiosité. Aujourd'hui, avec l'IA ou sans l'IA, on nous dit qu'on va avoir 3-4 métiers différents. C'est intégré chez les jeunes, on ne l'a pas encore embrassé, nous. Donc, il faut cette formation permanente. Et l'entreprise est responsable aussi d'avoir des gens qui sont toujours à la pointe de ce qu'il faut faire. Et nous accompagnons nos clients aussi bien sur la partie sourcing que sur la formation continue de l'ensemble des talents. Alors, qu'ils soient toujours là, vous me parlez de vos métiers, vous me parlez des entreprises et des recruteurs, parce que vous avez évidemment répondu aux questions que je vous posais sur ce point. Mais je voulais quand même qu'on s'intéresse aussi à des commentaires qu'on a reçus sur LinkedIn. Alors là, c'est Fabien Reynaud, qui d'ailleurs donne des conseils dans une newsletter sur la Minute Productive, qui nous dit, mais la personne qui recherche un emploi, elle peut aussi trouver un intérêt dans l'utilisation de cette IA, par exemple pour améliorer son CV, le rendre plus en adéquation avec l'offre proposée, et même utiliser un bot pour simuler un entretien et s'entraîner finalement. Donc, parce que là, on a l'impression qu'en fait, qu'on a des outils en main du côté du recruteur qui sont plus puissants, plus performants, mais en face, et là je reviens à l'anecdote que je vous ai citée au tout début, en face, les candidats, ils s'emparent aussi de la technologie et du sujet. De l'importance de l'humain et du physique. Oui, mais alors, dans du coup, le parcours. Est-ce que on se trompe mutuellement? Parce que si on apprend avec des IA à répondre parfaitement à une offre qui est elle-même créée par une IA, on s'augmente mutuellement. Comment savoir si on a le bon candidat? Vous voyez ce que je veux dire? C'est le postulat de départ. Il ne faut pas parler d'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Derrière une intelligence artificielle, il y a de l'intelligence humaine. Ouais. Et vous êtes en train d'en parler. Comme les gens, bien sûr, utilisent des outils. Il les améliore et c'est ça, et c'est cette conjonction des deux, en tout cas chez Skillit, c'est comme ça qu'on travaille. Quand on fait travailler les humains au bon moment et on utilise les capacités extraordinaires de l'intelligence artificielle, on va vers un projet, je pense que ce soit pour l'entreprise, pour la société et pour le recrutement, qui à mon avis peut être tout à fait vertueux. Et si je peux me permettre, un candidat qui utilise tous les moyens à sa portée, y compris des moyens assez techniques et innovants, pour se rendre plus intéressant, plus pertinent par rapport à l'offre, nous, recruteurs, on va analyser ça comme c'est un débrouillard. Il sait se donner le moyen de ses ambitions. Ouais. Et ça peut être un soft skill qu'on peut valoriser en fonction du métier pour lequel il postule. Absolument. Ce qu'une IA ne fera jamais. Absolument. Alors, Daniel Raza Yari Noni, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, elle nous dit, par le biais d'entretiens virtuels, là aussi on est sur l'idée de se pré-entraîner à passer ces entretiens, on pourrait être capable de simuler le traitement d'un sujet complexe et de voir si le candidat est capable de traiter ce genre de sujet complexe une fois en poste. Est-ce que ça, c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est déjà possible? Non, les assessments existent. Oui, le test sur poste de travail, je pense que Selma le pratique régulièrement pour ses clients. Surtout nos postes, on recommande une session de travail, une étude de cas. Mais il y a de l'IA là-dedans? Parce que oui, nous, on a eu des candidats qui ont... Là, je sais que ça existe depuis toujours, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'IA, on peut vraiment être dans des environnements 100% virtuels et pouvoir se projeter sur le potentiel du candidat demain à résoudre ses problèmes complexes? On peut imaginer, nous, demain, que moi, je vais avoir plusieurs avatars et je vais pouvoir faire 3 entretiens en même temps avec d'autres avatars en face et que moi, en vrai, je ne rencontrerai que celui qu'on aura sélectionné. On peut pousser très, très loin le raisonnement et imaginer un futur. Mais la réalité d'aujourd'hui, qui est celle, je pense, qui intéresse tous nos auditeurs, c'est que l'innovation est là pour vous, comme pour les recruteurs, qu'on aurait tort de ne pas la prendre en main pour l'apprivoiser, parce que si nous, on ne le fait pas, d'autres le feront à notre place. Absolument. Et qu'il faut trouver des gens pour nous accompagner. Merci là-dessus. Beaucoup. Merci. Je voulais citer quand même l'article d'Aliénor Rouffet dans HBR, la Harvard Business Review version France, qui est un sujet sur les profils atypiques, justement. Et la difficulté, parce qu'on dit qu'ils ont le vent en poupe, que les entreprises en veulent absolument de ces profils différents, mais que dans la réalité des process, ça reste compliqué.
compliqué finalement de les recruter. L'IA peut être un moyen d'y arriver. Je vous invite à lire cet article. Merci beaucoup Julia Santi de Skillit et Selma Fresnel du cabinet Lincoln. Merci à vous.